Je suis une infirmière de l'hôpital Necker. Et vous ne savez pas, ne savez pas, vous m'entendez, ce qui se passe ici, dans le 15e à Paris. Des cliniques privées, pas réquisitionnées, non loin je peux les citer, jusqu'aujourd'hui elles ont choisi. Contre une contagion, de pratiquer l'exclusion. Moi j'ai 40 mômes et jamais je ne chôme. Responsabilité dont je suis fière, je vous le dis. Je veux les protéger, je vous prie de m'écouter. Retourner à l'école, initiative folle, bien sûr facultative, alors ne soyez pas naïfs, non pas naïfs, les enfants sont perdus, mais pas de plainte reçue. Et si ce soir tu penses, contre une telle engeance, avoir risqué ta peau entre le travail, le métro, travail métro, n'exerce pas ton droit de retrait cette fois. Tous les patrons sont libres de te couper les vivres. Le recours au prud'homme sera possible plus tard en somme. Sinon, contaminé, tu seras peut-être de l'autre côté. Oui, dans une autre époque, son histoire nous choque. On a roué Mandrin, qu'était dit-on, fameux coquin. Parce qu'un vrai justicier, le peuple, il en a trompé. Je voudrais qu'on le pende, celui qui nous commande. Il a bien fait sa com en TGV et boule de gomme. Mais c'est un assassin, vous le comprendrez demain. Espérons qu'il se lève, le pays même en rêve. Fallait pas souhaiter ce qui nous arrive au mois de mai. Fallait pas décider si tôt déconfiné. Cette interview fictive circule de rive en rive. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une fake news. Vous m'entendez. Suivez la vérité sur BFM TV. Suivez la vérité sur BFM TV.